والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Frères et sœurs en islam, nous voilà dans cette nouvelle rencontre, dans ce mois béni et dans ce jour béni et dans cet endroit béni. Le mois béni, c'est le mois de Rabi' al-Awwal. Il est béni pourquoi? Parce qu'il a Rabi' al-Awwal, il nous annonce la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le jour béni, c'est 12 ou 13 selon les pays. C'est, même si l'avis des jurisconsultes n'est pas unanime sur la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on va faire comme si il annonce la prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'endroit, c'est cet édifice de l'islam qui est la grande mosquée de Paris. C'est la citadelle de tous les musulmans de France. Donc on est aujourd'hui réunis dans cette assise pour parler de la naissance du bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Et que dire si on veut parler du professeur sallam? Ya Rasulallah, ahsanu min kalam tara qattu ayni wa ajmalu min kalam talidin nisa. Ô messager d'Allah, ya ô messager d'Allah, Allah n'en a point créé mieux que toi. Ô messager d'Allah, tu es la lumière pour cet univers. La venue au monde du bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam est une lumière pour toute l'humanité. Il est venu pour nous sortir des ténèbres vers la lumière, qui est la lumière d'Allah tabaraka wa ta'ala. On a beau à parler, on ne sera jamais donné, on ne sera jamais assez parlé de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Néanmoins, on va essayer d'aborder quelques points. Pour cela, j'ai en ma compagnie aujourd'hui le grand sachant que j'ai eu l'honneur de recevoir plusieurs fois. J'ai à ma droite notre doctorant, Cheikh Oustad Raïs et Cheikh Abdelnour, marhaban bek Cheikhna. Et on a notre docteur Bembouzid Samir, que j'ai eu l'honneur de recevoir plusieurs fois. Nous, ma Cheikh, marhaban bekoum. Et le Cheikh Al-Afad, nous sommes dans le jour Karim, le jour Karim Mubarak, nous parlons de Mawlid al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Donc si on veut parler de la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc ma question, moi, avec laquelle je vais commencer, docteur Samir, est-ce que le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, d'une autre façon, est-ce qu'il a parlé de sa naissance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad, kama sallaita ala ibrahim wa ali ibrahim, wa barik ala muhammadin wa ali muhammad, kama barakta ala ibrahim wa ali ibrahim fil alamina, innaka hamidun majid. Cette question, notre cher Khaled, est très importante parce que les musulmans aujourd'hui, ils cherchent toujours à trouver les sources de leurs actes religieux, de leur adoration, de leur comportement dans la vie. Ils cherchent toujours les sources dans le Coran et dans Sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam et dans la tradition des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Alors un jour, le prophète alayhi salatu wa sallam était interrogé à son propos. Alors on lui dit, ô prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment vous avez commencé? Comment était votre début? Alors il répondait alayhi salatu wa sallam, je suis l'invocation de mon père Ibrahim. Je suis l'invocation de mon père Ibrahim et je suis la bonne nouvelle de mon frère Jésus, Isa alayhi salatu wa sallam. Une autre chose qu'on trouve dans la tradition du prophète alayhi salatu wassalam, alors le prophète alayhi salatu wassalam jeûnait toujours, comme on le savait tous, jeûnait le lundi et le jeudi. À propos du lundi, il était interrogé un jour aussi par ses compagnons, pourquoi vous jeûnez le lundi, ô messager d'Allah sallallahu alayhi wassalam? Alors il a répondu alayhi salatu wassalam, yawmun wulidtu fihi
وَأُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ, ce qui signifie « En ce jour, je suis né et en ce jour, j'ai reçu la révélation. » Alors, c'est notre point de départ, c'est notre repère. Si on veut savoir quelle est la relation entre cette occasion, ces fêtes que les musulmans font dans les quatre coins de la terre, alors on trouve ça, on trouve l'origine de ça dans la tradition du prophète alayhi salatu wa salam. Alors lui alayhi salatu wa salam, il remercie Allah pour sa naissance. Yeah. Quel est son acte de remercier? C'est de jeûner le jour de lundi. Alors c'est à nous aussi de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de renouveler ce remerciement à chaque année quand l'occasion revient. Donc là, Cheikh, je reste toujours sur ce point avec vous. Après, je vais revenir voir notre Cheikh. Donc là, si vous dites que les Mada, là, ça devient un jour important. C'est sûr. C'est un jour spécifique, c'est un jour spécial dans notre vie. Sincèrement, Cheikh Khaled, moi, c'est ma conviction. Je suis très convaincu de cette conviction. Alors, le jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas un jour ordinaire. C'est un jour extraordinaire. C'est un jour très spécial. C'est le jour de ce prophète, de ce dernier prophète, dont était l'invocation des pères du prophète, des prophètes Ibrahim alayhi salam. C'était la bonne nouvelle de Isa alayhi salam. Alors, toute l'humanité, surtout les hommes de livre, Ahlul Kitab, il attendait la révélation de ce prophète. Il attendait même la naissance de ce prophète. Et quand on consulte la bibliographie du prophète, alayhi salatu wassalam, on trouve que dans ce jour-là, quand il était né, alors la vie, elle avait changé totalement. Il y avait un grand joie dans la vie. Tout l'entourage, sa famille, tous ceux qui ont un lien avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur vie a changé du mal au bien. C'est l'humanité, si vous permettez, docteur. C'est l'humanité tout entière à la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a reçu la lumière d'Allah tabaraka wa ta'ala. Non seulement la Mecque, les Quraishites, mais c'est toute l'humanité. En fait, sa venue au monde, c'est un bienfait. C'est ni'ma. Mais Allah, mouchli le muslimi faqat. وإنما هي للبشرية شيخنا مدام يتحدث ولا عندكم إضافة خليك تضيف خليك تضيف أستاذنا حتى نرجع للشيخنا عبد النور. Alors si on revient toujours à notre source principale de l'islam, le Coran al-Karim, on lit dans le Coran al-Karim dans sourate Yunus, Allah Azza wa Jal dit, Allah exalté soit-il dit, قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. Ici, on fait quelques liaisons entre les versets du Coran al-Karim. Alors, on trouve facilement que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah azza wa jal l'a décrit, il était une miséricorde pour toute l'humanité. Naam, une miséricorde pour toute l'humanité. Alors, quand Allah dit « قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا » ce qui signifie « c'est là une grâce ou une grâce et une miséricorde de Dieu dont les hommes devraient se réjouir », alors on comprend bien qu'on doit se réjouir dans ce jour-là, dans l'anniversaire de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je reviendrai vers vous concernant la célébration du Mawlid Ihtifal Kayfiyya. نرجع لك بعدين inshallah inshallah. بما انكم تحدثتم شيخنا الفاضل الدكتور مع تحديثكم يحبب أي إنسان إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. أكيد. وكيف لا نحبه صلى الله عليه وسلم؟ وهو الرحمة المهدات وهو الصادق الأمين. سيسير. وهو كان الرجل والزوج والصاحب والصديق والأمير والقائد العسكري فيجعلك تحب النبي صلى الله عليه وسلم. صديق. كم من بايم يا أصحاب أشكو بزابي أبونسي كم من بايم يا النبي صلى الله عليه وسلم. Il était le guerrier, il était le dignitaire, il était le religieux, il était l'ami. L'époux, il était tout le prophète. Je crois que Cheikh Abdelmel va parler de l'amour vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Moi, je veux dire seulement un petit mot à propos de l'amour vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'amour
vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le point de départ et le point d'arrivée aussi. Alors, nas'alullah ta'ala an yarzuqana mahabbata an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Abdelnour, dis-moi, moi, docteur Abdelnour, alors, bien Allah, rahmatna ghasha. Docteur Nabi, ma n'a t'hadith an l'habib sallallahu alayhi wa sallam, ou minna la yuhib nous sallam. Kifé, ma hiya hadhi محبه النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون محبه الحبيب صلى الله عليه وسلم كيف تكون كيف نحققها ان شاء الله كومون بوتون اي كومون نام سي جو بي لو بروفيسور صلى الله عليه وسلم au nom d'Allah, que les moins miséricordieux, que les prières d'Allah et ses plus amples salutations soient sur notre prophète Mohammed, tous ses membres de famille, tous ses compagnons et tous ceux qui ont battu leur pas jusqu'au jour dernier. Ensuite, cher frère Khaled, barakallahu fik, merci beaucoup pour cette opportunité pour parler d'un sujet très important. Ainsi que une grande joie de partager ces moments avec Cheikh Samir dans un lieu méritoire qui est la grande mosquée de Paris. Alhamdulillah. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un sujet très important. Surtout, il coïncide avec la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je tiens à parler, à éclaircir quelques points très importants concernant l'amour du prophète, le vrai amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les musulmans aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais l'amour que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à ses serviteurs, à la umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est autre chose. Car prétendre aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une chose et réaliser le sens, c'est une autre chose. Avant de commencer, j'aimerais bien rapporter les propos d'un grand savant et sachant érudit de l'islam qui est Al-Qadi Iyad. Al-Qadi Iyad qui a parlé, qui a traité ce sujet, qui nous a laissé des propos très importants. Al-Qadi Iyad dit: sachez que quiconque aime quelque chose la préférera et choisira d'être en harmonie avec elle. Si l'on est autrement, c'est que son amour est fin et non sincère. Quiconque aime réellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné une petite introduction qu'une personne, lorsqu'il aime une autre personne ou quelque chose, il lui donne beaucoup d'importance. Il y a des signes révélateurs. Il continue. Quiconque aime réellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam montrera nécessairement des signes manifestes de cet amour. Le premier des signes qu'il montrera est qu'il prendra le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme exemple. Parce que prétendre aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une chose. Mais l'aimer réellement, c'est une autre chose. Exactement. Donc, aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je tiens à vous raconter une petite histoire à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une histoire très importante pour comprendre l'ampleur et l'importance de ce sujet. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, Omar ibn al-Khattab nous a raconté son histoire et son amour envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car prétendre avec la langue, c'est très facile, mais en réaliser le sens, c'est autre chose. Je préfère relater le hadith authentique rapporté par l'imam Ahmed. Dans ce recueil, l'imam Ahmed nous rapporte que Omar ibn al-Khattab dit: il nous arrive rarement, Omar ibn al-Khattab nous racontait, que les sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'isolaient rarement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, Omar ibn al-Khattab se trouvait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui prit la main. Il dit: Omar ibn al-Khattab, il me prit la main, je regardais son visage, les yeux en larmes, il lui dit: par Dieu, ô messager de Dieu, je t'aime. Donc Omar ibn al-Khattab a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a annoncé qu'il l'aime. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sourit. Tabassama an-nabi alayhi salatu wa sallam, il lui dit: m'aimes-tu vraiment Omar? Cette question, on doit mettre l'accent sur cette question. On doit tous poser cette question à nous-mêmes. Parce que est-ce que réellement on aime vraiment Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? على يد المشايخ منكم أنه لكل قول حقيقة. بارك الله فيك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حقيقة قولك؟ ما حقيقة قولي؟ حقيقة يا شيخ خالد. أنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم كما تفضلتم كلنا نقول شاكن دو نو بخيطون يجي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. Mais concrètement, là, ce que vous dites m'interprète, c'est-à-dire, est-ce que ce hadith est très important? J'aime le professeur Hassan. Exactement, parce que ce hadith, on va tirer des enseignements. Et on va essayer d'appliquer ces enseignements dans notre vie quotidienne pour savoir si réellement on aime le professeur Hassan ou si le cas contraire. Donc, le professeur Hassan, lorsqu'il a interrogé Omar ibn al-Khattab, m'aimes-tu vraiment Omar? Omar ibn al-Khattab répondit: oui.
par celui qui t'a envoyé, par la vérité, je t'aime au prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui pose une autre question. Plus que tes enfants, Omar ibn al-Khattab répondit tout naturellement, oui, au messager de Dieu, je t'aime plus que mes enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sourit et dit, plus que tes biens, Omar, c'est bien, c'est son argent, c'est bien, sa maison, ainsi de suite, ce qu'il possède. Il dit, oui, au messager de Dieu, par celui qui t'a envoyé par la vérité, je t'aime plus que mes biens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sourit et dit, plus que ta propre personne, Omar. C'est ça le plus important. Donc, Omar ibn al-Khattab, exactement, Marbatul Faras. Omar ibn al-Khattab dit, je fus surpris, car Omar ibn al-Khattab ne pouvait concevoir qu'un être puisse aimer un autre être plus que sa propre personne. Donc, Omar ibn al-Khattab, il dit, je me suis tu un instant et dit, quant à ma propre personne, non au messager de Dieu. Il est véridique, il était sincère. Les savants musulmans, les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit, Omar était donc sincère aux deux premières questions, car s'il aurait menti, il aurait également menti à la troisième aussi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme son attitude, il a souri. Tabassama. Il a souri au point d'apercevoir ses molaires. Il a dit ensuite à Omar ibn al-Khattab, non Omar, donc ta foi, non Omar, par celui qui détient mon âme entre ses mains, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré par Allah subhanahu wa ta'ala, la foi d'un serviteur ne peut atteindre la plénitude jusqu'à ce que je sois plus aimé de lui que sa fortune, ses enfants et son âme qui habite entre ses deux flancs. L'histoire ne s'arrête pas ici. Parce que c'est une histoire très importante. C'est une histoire très importante qu'on doit retenir, que chaque musulman doit retenir. Omar ibn al-Khattab dit dans son fort intérieur, je me mets alors à pleurer, j'aurais souhaité ne pas m'être converti avant ce jour. Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il a constaté que sa foi est défaillante, quelque part. Vous parlez de Omar ibn al-Khattab. On se vient d'accord. Le deuxième calife. Le deuxième, exactement, l'homme solide, c'est avec Omar ibn al-Khattab qu'Allah subhanahu wa ta'ala... C'est Omar. Exactement. Là, on parle de Omar. Mais pourquoi? Omar. Exactement. Donc Omar ibn al-Khattab, parce qu'il vient de découvrir que sa foi est défaillante. Omar ibn al-Khattab continue de dire, je quittais le prophète sallallahu alayhi wa sallam en pleurant. Je restais un moment, puis il revint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant. Donc Omar ibn al-Khattab a pris un temps de réflexion. Un temps, il a fait un examen de conscience. Il a pesé les choses, le pour et le contre. Ijtahada tafakkara fakkara wa tadabbara wa tama'ana fi amrihi thumma adraka haqiqa jard. Exactement. Thumma wasala ila natijatin muhimmatin jiddan. Donc je restais un moment, puis il revint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, messager de Dieu, par celui qui t'a envoyé par la vérité, je t'aime par-dessus ma fortune, mes enfants et mon âme qui habite entre mes deux flancs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sourit alors, les yeux en larmes, embrasse Omar ibn al-Khattab entre les yeux et dit, maintenant Omar, al-an Omar, ça veut dire maintenant ta foi a atteint la plénitude de la foi. Mais le plus important, comment Omar, quelle est la chose qui a poussé Omar ibn al-Khattab à changer son avis? Parce qu'Omar ibn al-Khattab, comme j'ai dit tout à l'heure, a fait un examen de conscience. Il a posé les choses. Il a fait sa propre comptabilité. Exactement. De conviction. Un changement de conviction et un changement profond qui vient au fond du corps, dans son fort intérieur. Le narrateur du hadith, Ibn Omar, Abdullah ibn Omar, le narrateur du hadith, le fils d'Omar ibn al-Khattab, dit, père, qu'as-tu fait pour revenir au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ce que tu lui as dit? Donc il s'est interrogé. Il a fait comment? Pourquoi? Exactement. C'est quoi le déclencheur? Donc Omar ibn al-Khattab, écoutez bien, Omar ibn al-Khattab, il nous a laissé quelque chose de très, une leçon très importante. Omar dit, fils, je me suis posé la question suivante. Que chacun de nous pose cette question pour savoir. Pour savoir l'importance d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que toute autre chose. Donc Omar ibn al-Khattab a posé la question suivante. De qui aurais-je le plus besoin le jour de la résurrection?
de mon âme ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Très important. Donc, Omar ibn Khattab a posé cette question pertinente. De qui il a besoin, il aura besoin le plus le jour de la résurrection. Le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé dans le noble Coran, dans divers versets coraniques, que tout, même ses enfants, tout le monde va fuir de toi, sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va implorer Allah subhanahu wa ta'ala, il va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour intercéder au profit de sa communauté. Li yushafi'a Nabi alayhi salatu wa salam, hatta al-anbiya wa ar-rusul يقولون نفسي نفسه إلا النبي عليه الصلاة والسلام يشفع في أمتي ويقول أنا لها. فعمر بن الخطاب تيقن هذه النتيجة الحتمية فقال إلى من أحتاج أكثر. Exactement. De qui aurais-je le plus besoin le jour de la résurrection, de mon âme ou du prophète صلى الله عليه وسلم. عمر dit, je me rendis compte que j'avais plus besoin de lui que de mon âme. Puis je me souvins dans quel égarement j'étais et comment Dieu m'a-t-il sauvé par son billet. فعمر بن الخطاب إخوتي الأفاضل تيقن أن أنه لا فلاح ولا نجاة إلا بالله سبحانه وتعالى عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام. شيخنا ما دام في السياق ما تقدمتم به وشوقتونا للحبيب صلى الله عليه وسلم وتعالى أن نكون أهل لحبه. آمين آمين يا رب العالمين. شيخنا الفاضل هل في آثار محبة النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا اليومية؟ هل كان امباكت دو لامور دو بروفيسور صلى الله عليه وسلم sur notre quotidien aujourd'hui en 2021, moi et vous et notre chef, vous avez donné l'exemple, c'est Omar. Omar l'impact, il était de suite, vous avez dit, il a fait un examen de conscience, il a vu le pour et le contre, la réponse elle a été vite fait, il a dit qui me sera utile, qui intercédera en ma faveur, c'est le prophète sallam, il a dit oh bon allez, la conclusion qui m'a tatakallamou wa tu'allimouna ana al khulasa ma hiya al khulasa ana uhibbu an nabiyya sallam hna hal fi athar حقيقة شيخ خالد سؤال مهم جدا. Donc concernant les implications de l'amour du prophète صلى الله عليه وسلم dans notre vie quotidienne, les implications, l'athar, l'amalia, les implications pratiques, parce qu'il faut être pragmatique. Cela nous conduit à parler sur les signes de l'amour véridique du prophète صلى الله عليه وسلم, car on ne va pas arrêter dans les simples prétentions. Ce n'est pas seulement كلام أقوال يلوكها اللسان. يلوكها اللسان ينطق بها الأفواه إلى غيره, ولكن هي قناعات لها آثار عملية في حياة الفرد والمجتمع. فالآثار العملية التي ذكرها parmi les implications, le fait de se conformer à la tradition du prophète صلى الله عليه وسلم. Se conformer à la tradition, les paroles, les propos du prophète صلى الله عليه وسلم, ainsi que se conformer à ses actes. Donc par exemple, le prophète صلى الله عليه وسلم nous enjoint la communauté musulmane à adopter les bonnes manières, le bon comportement vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, vis-à-vis d'autrui, ses frères musulmans, nos musulmans, ainsi de suite, d'adopter un bon comportement. Parmi les implications pratiques de l'amour, de vrai, de l'amour véridique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut adopter le mode de vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que ça veut dire le mode de vie? Certes, le mode de vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam à son époque et aujourd'hui, ce n'est pas le même. Mais c'est le côté éthique, le côté d'accord. Éthique, le bon la comportement. Exactement. Akhlaq Nabi alayhi wa sallam. Si vraiment on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la situation de la communauté musulmane va changer. Si on aime vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne va pas mentir, on va pas avouer. Le musulman ne ment pas, ne vole pas, ne cause pas d'autrui. Moti'ou. حقيقة. بارك الله فيك. هذه الأسماء التي تفضلتم نديروا لها حصة. إن شاء الله. أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام بإذن الله سبحانه وتعالى. مع غير المسلمين الوقت يداهمونا فيما يخص سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فحببت لنا في الحبيب عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. نحبه. نرجع لشيخنا الفاضل. ما دمت أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم دكتور. فكيف لي أن أحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحييها وأنا في يوم في حياتي اليومية كمسلم وكمسلم دكتور أعيش في فرنسا كومو أنا أيمي بروفيسور صلى الله عليه وسلم نتخرج الدكتور عبد النور اللي نوزا في أيمي مي لا موا كومو جو في دو مون كوتيديان إيسي أون فرونس فير فيف لا سنة لا تراديسيون بروفيتيك دو بيان النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. موا بيرسونيلمون مي فخيغ مي شيوخ je suis optimiste. Je suis optimiste à propos des musulmans dans le monde. Parce que se réjouir, comme nous l'avons dit,
pour l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est un bon signe. Il ne suffit pas, c'est sûr, mais c'est un bon signe. C'est un bon signe pour être lié avec la tradition, comme nous l'a dit Cheikhna Cheikh Abdel Nour, jazahullahu khayran. Alors moi, permettez-moi de citer aussi des paroles d'un des ulama musulmans, Cheikh Abdel Hamid ibn Badis, rahimahullah. Cheikh Abdel Hamid ibn Badis, rahimahullah, il a, dans un article, il a posé une question. Quelle est la raison de commémorer ce souvenir? Quelle est la raison? Alors, il a répondu directement, inna shay'a aw al mahabba li sahibiha. Al mahabba, c'est pour ça que j'ai dit je suis optimiste à propos des musulmans, car tant qu'il répète et qu'il fêtait la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça, je crois, inshallah, min bab husn al-dhan, c'est un bon signe pour nous tous, inshallah, rabbil alamin. Alors, al-mahabba fi sahibiha, l'amour chez son propriétaire, c'est la raison qui nous pousse de commémorer ce souvenir. Et il a aussi posé une autre question. Ma huwa ou هذه ما الغاية من تجديد هذه الذكرى؟ Quel est le but de renouveler cette commémoration? Quel est le but? Et il a répondu aussi ensuite, استثمار هذه المحبة. Alors moi j'attire l'attention. نعم. Alors moi j'attire l'attention de tous les musulmans. Si on aime vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on fêtait avec amour sincère la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit s'accrocher à la prière. C'est ça, je veux on doit dire. S'accrocher à l'horaire de la prière. On doit renforcer les liens de parenté. Malheureusement, aujourd'hui, les gens, avec un seul clic, un petit clic, ils peuvent transmettre ou bien transférer les vœux de le Mawlid, tout ça, mais réellement, on a un besoin. Oui, je viens de. Je célébrer oui. Alors, la vraie célébration, voilà. La vraie célébration, comme vient de dire notre cher Cheikh Abdel Nour, c'est de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Surtout dans son comportement. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a mentionné les bons caractères du prophète alayhi salatu wa sallam, il n'a pas mentionné son adoration, qu'il adore beaucoup, ou bien ses invocations, ou bien ses dons, ou bien... Il a mentionné son comportement. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, « وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ » Tu es certes d'un comportement très imminent. Alors j'invite nos frères musulmans et nos sœurs musulmans, j'invite les jeunes et les petits, on s'invite tous et toutes pour suivre vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout au niveau de sa miséricorde. La pratique de sa miséricorde, il se trouve principalement dans le renforcement des liens de parenté. Le pratique de son adoration, il se trouve aussi dans la prière. Et dans le bon comportement. Oui. Là, je suis d'accord avec vous. C'est pas ce qu'on voit maintenant. إذن ربما نقول كلمات بالعربية على الإخوة اللي يسمعون إن شاء الله. إذن كما ذكرت أنا متفائل وأحسن الظن بأن الله عز وجل سيرحمنا. نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نحسن الظن بالمسلمين الذين يفرحون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نذكرهم أيضا أن هذا النبي هو نبي الرحمة. أن هذا النبي دعانا إلى صلة الأرحام. دعانا إلى صلة الأرحام. إذن كل واحد منا يراجع نفسه. كل واحد منا يراجع نفسه. ما هي كيف علاقته مع أرحامه؟ كيف علاقته مع إخوانه؟ دعانا النبي أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بالأخوة.
بالأخوة بين المسلمين. كونوا عباد الله إخوانا، يعني احرصوا على هذه الأخوة. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب شيء لديه في هذه الحياة هو الصلاة، قرة عينه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. إذن نعم، نقول لإخواننا هنيئا لكم احتفالكم بهذه الذكرى الطيبة، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منكم. ولكن حذاري حذاري أن نحتفل احتفالا ظاهرا فقط، ونكون بعيدين عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، عن رحمته للعالمين جميعا وليس فقط المسلمين. حذاري أن نكون بعيدين عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، حذاري أن نكون بعيدين عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. معكم شيق، ولكن الوقت يداهمنا. أنا برك نختم بها. دكتور عبد النور، حببتونا في الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولا نعطي حقه خلال نصف ساعة أو ساعة من الزمن. العلماء كتبوا مجلدات ولا زالوا يكتبون ووفوا حقه. دكتور عبد النور، أحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بالله أنا خبرني كيف تظهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم علي. تكلم الدكتور، ولكن اختم لنا بها إن شاء الله. الشيخ عبد النور، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Concernant l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on a dit tout à l'heure, les prétentions ne suffisent pas. Mais il faut avoir des actes et des signes révélateurs de vrai amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les savants musulmans, les érudits de l'islam, les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont hérité le savoir et non l'argent, nous ont laissé édicter certains signes révélateurs de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier signe révélateur de vrai amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait d'éprouver un désir ardent de le rencontrer, d'écouter son nom, d'évoquer son nom et de connaître sa vie, surtout d'évoquer sa vie, ainsi de suite. Je vais vous... كانت بنت تقول ومصيبته، وكان يقول وفرحته غدا ألقى الأحبة حقيقة محمدا وصحبه. الله أكبر، كان صادق في هذه الكلمة. جزاك الله عنا خير، وسامحني قاطعتك. بارك الله فيك شيخ خالد. ذكرتنا تونس في رابلي دو بلال، سورتو لاتيتود دو بلال. سي فريمون مو جو في فو رابلي الأحاديث أوثنتيك دو بروفيت صلى الله عليه وسلم، أحاديث تري توشون، تري توشون. نورمالمون lorsqu'on évoque ce hadith, nos âmes tremblent. Hein? Donc, c'est le fait d'éprouver un désir ardent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique rapporté par l'imam Bukhari et d'autres rapportateurs, il a dit: j'ai hâte de rencontrer mes frères. Comment ne pas éprouver ce désir de rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et lui, Il a éprouvé ce désir des siècles et des siècles de rencontrer ses frères. Donc, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont posé la question: sommes-nous pas tes frères, ô messager de Dieu? S'exclamèrent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: vous êtes mes compagnons. Quant à mes frères, ce sont des gens qui viendront après moi et qui croiront en moi sans m'avoir vu. Le Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam qala: ikhwani alladhina ya'tuna min ba'di wa lam يؤمنون بي ولم يروني. فنحن إخوة النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يشتاق لرؤيتنا وملاقاتنا، فكيف لا نشتاق لرؤية النبي عليه الصلاة والسلام؟ donc dans ce hadith le prophète صلى الله عليه وسلم il éprouve un désir ardent de rencontrer ses frères. Donc les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم se sont posé la question: sommes-nous pas tes frères, ô messager de Dieu? Il dit: mes frères, ce sont des gens qui viendront après moi. On est les frères du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a considérés comme ses frères. Il a hâte de nous voir. Yashtaqu ilayna. Fakifa la nashtaqu li ru'yatihi wa la nashtaqu li sama'i kalamihi wa la nashtaqu li sama'i siratihi ila ghayrihi. Donc c'est pour ça, chers frères et sœurs, il faut au moins avoir hâte, un désir de le voir, ne serait-ce dans un rêve فيريديك ان سونج فيريديك. يجب على الانسان ان تكون له حتى يشتقي النبي عليه الصلاه والسلام لرؤيته ولو في المنام، ولو في المنام. فالنبي عليه الصلاه والسلام يشتاق الينا. اسمعوا فقط كذلك حديث النبي عليه الصلاه والسلام، ايكوتي اونكور ان اوتر حديث دون سو حديث رابورتي بار امام مسلم. الامام مسلم، لو بروفيت صلى الله عليه وسلم دي: parmi les personnes de ma communauté qui m'aiment le plus, des gens qui viendront après moi
et qui désireront me voir, combien même ils sacrifieraient pour cela leur famille et leurs biens. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il nous a informé qu'à la fin du temps, il y a des gens qui viendront, ils auront l'intention ou l'intérêt de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne serait ce qu'ils sacrifieront leur famille, leurs biens pour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, c'est le premier indice révélateur de l'amour véridique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un deuxième indice, chers frères et sœurs, c'est le fait de multiplier les vocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'un être aime un autre, il évoque souvent dans la littérature arabe, on nous a raconté l'histoire de Qais wa Layla, les deux amoureux. فيقول قيس يقول امر بالديار ديار ليلى اقبل ذا الجدار وذا الجدار وليس حب الديار شغلنا قلبي ولكن حب ما سكن الديار. Donc celui-là, il a aimé il a laissé des poètes de la poésie concernant sa bien-aimée, et il a dit dans le sens de ses poèmes qu'il passait à côté de la maison de sa bien-aimée et l'embrassait, ce mur et ce mur, mais c'est pas les murs qui lui présentent un intérêt, mais c'est la personne qui habite dans ces demeures. Donc chers frères et sœurs, le fait d'évoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un autre élément très important, ici le plus important dans notre vie quotidienne, c'est le fait de se conformer à sa sunna. Tant il faut que nos propos, nos paroles, nos actes, toute notre vie quotidienne se conforme à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a d'autres signes révélateurs, mais c'est l'essentiel, Cheikh Khaled. Inch'Allah, barakallahu fi. Docteur Khaloulouk, Inch'Allah. كلمة تختم بها وتدعو لنا أنا قبل أن تبدأ فخيسون إسلام sincèrement j'ai été très ravi très honoré d'écouter nos sachants qui m'ont vraiment touché et comment ne pas être touché par le professeur sallam la biographie du professeur sallam فوصيتي لي ولكم أن اتقوا الله في السر والعلن وأكثروا من الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم فإن الشيء في علم شفع يوم القيامة وكونوا مسلمين كما أمر الله فتفوزوا في الدنيا والآخرة prenez soin de vous, que Allah vous garde. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et je laisse la parole à Cheikh pour clôturer. تفضل إن شاء الله كلمة فقط أخيرة فقط قبل أن أقدم الكلمة للشيخ سمير مسك الختام فقط فيما يخص نصرة النبي عليه الصلاة والسلام. نصرة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الزمان وخاصة في هذا البلد يكون بإحياء سنته بإحياء سنته والاقتداء به خاصة اقتداء النبي عليه الصلاة والسلام في الجانب الأخلاقي والتربوي هذا حقيقة فنصرة النبي عليه الصلاة والسلام سي ديفوند لو بروفيت صلى الله عليه وسلم اون سو كونفورمون ا سا تراديسيون اون رافيفون لا تراديسيون دو بروفيت صلى الله عليه وسلم وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله شيخ نادى عليك كلمة الختام نعم ان شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alors, à cette occasion-là, permettez-moi, Cheikh Khaled, Cheikh Abdel Nour, de présenter un cadeau pour les musulmans. L'émir des poètes, Ahmed Chawqi, rahimahullah, il a fait un poète très, très, pour, très touchant pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et j'invite toujours les francophones d'apprendre l'arabe pour vraiment pour goûter le Coran le Karim et pour goûter l'essence de la littérature arabe. Naam, idhan il a dit ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء والعرش يزهو والحظيرة تزدهي والمنتهى والسدرة العصماء نظمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح واسم محمد طغراء يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء الحق عالي الركن فيه مظفر في الملك
لا يعلو عليه لواء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذا المجلس، اللهم اجعله مجلسا مباركا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يذكرونك ومن الذين يصلون على نبيك الأمين صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم وفق المسلمين جميعا لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم وفقنا لمحبة نبيك صلى الله عليه وسلم، محبة صادقة ومحبة حقيقية ومحبة صحيحة يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أذهب الشقاق عنا يا رب العالمين. اللهم اجمع شملنا على طاعتك. اللهم اجعل المسلمين في هذه البلاد نورا لأنفسهم ونورا لغير المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الهداة المهديين، واجعلنا من الراشدين المرشدين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.